Alors, Sam, t'es arrivé, t'étais en pleine forme hier au démarrage de l'atelier, et là, t'as l'air un peu éreinté sur les rotules. Ouais. Tu t'es couché à quelle heure? Bah, moi, je me suis couché, je suis parti un peu plus tôt que le groupe, je suis rentré, c'était une heure, parce que la soirée, j'avais déjà des difficultés, mais là, de voir le groupe interagir, après avoir débriefé ce matin avec eux, je pense avoir analysé un peu ce qui me bloquait, des fausses croyances, etc. Et avec l'atelier qu'on a fait ce matin concernant la deep connection et la sexualisation, je pense que ça va beaucoup m'aider pour la soirée déjà dans un premier temps, et puis pour la séduction en général, parce que le problème que j'avais, que j'ai encore, parce que je vais travailler dessus, c'est vraiment de faire en sorte que l'interaction avec une fille en l'occurrence débouche sur quelque chose. J'ai pas de mal pour aborder, pour engager la conversation, mais c'est qu'au bout d'un moment, faut peut-être pas que ça reste platonique, il faut que ça change de registre. Et c'est ce changement qui me posait problème, et je pense que maintenant je suis armé pour pouvoir relever ce défi, et voilà, j'ai tout ce qu'il faut pour avancer là-dedans, quoi. Et qu'est-ce que tu as fait ce week-end avec nous que tu n'aurais pas fait d'habitude? Notamment au niveau des abordages, j'ai abordé dans des magasins à deux reprises. Ouais. Ça, j'ai jamais fait. J'ai abordé deux filles qui étaient assises tranquillement sur un banc dans la rue, en me posant à côté d'elles. Voilà, on a passé un agréable moment. Franchement, j'ai jamais abordé autant que pendant ce week-end. Ouais. Donc, c'est un énorme progrès pour moi. Sachant que j'ai déjà abordé auparavant, mais bon, ça allait pas plus que deux interactions, voire un 3 maximum par jour. Mais là, ça a dépassé tout ce que j'avais fait jusqu'à maintenant et de loin, et ça m'ouvre le champ des possibles, quoi. Je me dis, bingo, quoi. Maintenant, t'as la clé, t'as plus qu'à ouvrir la porte, à y aller, quoi. Super. Voilà. Est-ce que t'as hésité un peu avant de prendre cet atelier? J'ai hésité pendant, ça fait on va dire 9 mois que je m'intéresse à la séduction. Ouais. Donc depuis 9 mois, j'ai pris conscience qu'il y avait des ateliers pour la séduction. Okay. Et je me suis déjà accordé pendant 6 mois, je me suis dit je vais essayer de me débrouiller tout seul, en regardant des vidéos sur YouTube et autres. Et autres bouquins, enfin tout ce qui se fait sur la séduction. Mais c'est vrai que tout seul c'est pas évident, et même si pendant les 3 derniers mois de ces 9 mois, enfin les 3 derniers mois, je suis quand même, c'est là où j'ai un peu progressé, mais vraiment l'atelier, ça me... j'aurais pas pu progresser autant qu'en faisant l'atelier que j'ai fait. Je veux dire, c'est une aide vraiment efficace. En plus, toute l'équipe est super, super bienveillante. Non seulement elle nous a pris en charge, nous a expliqué les choses, mais elle était vraiment enthousiaste de nous apporter des éléments, de nous encourager, de nous aider. Toute l'équipe, c'est une super bonne équipe, tous les coachs qui t'entourent, Alex, t'es super bien entouré, bravo pour ça. J'ai la chance d'avoir une bonne équipe. Ouais, voilà. Et c'est super important, ils nous ont vraiment boosté à fond, quoi. Voilà. Top. Ouais, merci pour ton témoignage, Sam, et merci de nous avoir fait confiance avec ton accompagnement, parce que je sais que c'est une partie importante de ta vie. Voilà. Tu donneras des nouvelles, que ce soit avec des difficultés à surmonter ou des bonnes nouvelles à partager avec nous, voilà. Parce que c'est ce qui donne tout son sens à notre travail. Très bien. Cool. Merci, Sam. Bye. Bye.